one. Dans une période de crise, il y a toujours une concentration du pouvoir. Quelqu'un ou quelques-uns doivent décider. Ce lieu, c'est le Conseil européen. 1,5 million de migrants arrivant, mettons en Allemagne, dans l'espace Schengen. Est-ce que c'est une question pour le ministre, M. de Maizière ? Mais non. C'est une question pour Mme Merkel. C'est elle qui perdra ou gagnera les élections sur la décision qu'elle a prise. Et donc c'est une responsabilité très personnelle. On engage son pays. The Council is the place where compromise happens and where we adjust our own positions to those of other countries. It is really a democratic body. Voters in Europe constantly renew the composition of the European Council, which makes this work so fascinating for all of us. Aujourd'hui, les réunions des présidents et premiers ministres européens, ce qu'on appelle le Conseil européen, occupent une place centrale dans la prise de décision en Europe. Au début, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Les chefs d'État n'avaient pas leur place dans la communauté. La communauté européenne avait été conçue comme un système de partage du pouvoir à tous les niveaux. Au tout début, quand les chefs de gouvernement se sont mis à se réunir de temps en temps, comme ça, à l'improviste, dans les années 60, les petits pays n'en voulaient pas. Parce que pour eux, la communauté, c'était une protection contre les grands et ils ne voulaient pas voir le retour de l'ancienne Europe par la petite porte à travers ses sommets. Et donc, il y a eu une forte réticence du système à accepter ce qui serait apparu comme le collectif du leadership. En plus, la personnalité du général de Gaulle faisait peur. Et la plupart des autres gouvernements préféraient ne pas avoir affaire directement à lui. On a pris l'habitude d'avoir un ou deux sommets par an dans différentes capitales, d'ailleurs, des pays d'Europe. Mais il n'y avait aucune organisation. Et quand j'ai été élu moi-même, c'est-à-dire en 1974, j'ai trouvé qu'il fallait consolider ce système. Que dans un système économique, commercial et également d'ailleurs politique, il fallait prévoir une réunion régulière des responsables politiques. De plus en plus, il est apparu que les pays de la communauté avaient à se prononcer sur des questions qui, en vertu des traités, n'était pas de la compétence de la communauté. Que faire devant les crises pétrolières? Que faire vis-à-vis des pays producteurs? Que faire entre la Palestine et Israël? Et donc tout ceci a coagulé pour que, en 1974, Giscard, aidé par Jean Monnet, fasse tomber les réticences. C'était dans le salon d'Élysée. Helmut était assis à côté de moi. Et je lui dis, on devrait organiser quand même quelque chose d'un peu plus régulier, plus stable. Il m'a dit, mais je suis tout à fait d'accord. Puis j'en ai parlé au premier ministre belge. Et il m'a dit, non, c'est une très bonne idée. Les Anglais étaient moins enthousiastes, n'est-ce pas ? Mais tout s'est terminé par un coup d'État de Giscard, puisqu'en séance à Paris, lors du dernier sommet, qui a été le premier Conseil européen, il avait été décidé qu'on ne donnerait pas de nom à ces réunions de chefs d'État et de gouvernement, et Giscard est sorti en conférence de presse en disant « Nous avons assisté au dernier sommet européen et que nous avons participé au premier Conseil européen. » Les sommets sont morts, vive le Conseil européen.
Donc là, il y a vraiment une institutionnalisation qui commence. Et à partir de ce moment-là, le traveling circus, le carrousel européen pouvait commencer. Les réunions à travers toute l'Europe, dans un château une fois, une forteresse une autre fois, parce que chaque hôte voulait montrer l'Europe comme elle était belle. Et ça a duré des décennies. Les chefs d'État et de gouvernement se promenaient, c'était assez festif. Die Chefs haben es gemocht, zu reisen auf diese Weise, sich zu sehen, Land und Leute kennenzulernen. Und man konnte auch ungezwungener vorgehen letztlich. Les meilleurs hôtes sont les Italiens, toujours. N'est-ce pas? Mais j'ai toujours été très réticent devant ces déplacements permanents, parce qu'il faut loger, faire venir, nourrir les institutions. 1000 journalistes venant de Bruxelles, des délégations, dans des installations vraiment pénibles. La réunion à Nice a été un cauchemar. On serait cru dans des cabines de douche. À Hanovre, les murs étaient en papier. Il fallait y mettre un terme. C'est moi qui ai suggéré à Chirac de proposer à l'époque au Premier ministre Verhofstadt que les réunions du Conseil européen auraient lieu à Bruxelles. Le Conseil européen, au début, n'existait pas, puisqu'il n'était pas dans le traité. C'était le résultat d'un coup politique de Giscard à son époque, mais n'avait pas d'assises juridiques. La codification est venue avec le temps, et notamment en 1986, avec l'acte unique. Le traité a, en quelque sorte, accepté ce nouveau-né un peu étrange et lui a donné une place dans le régime juridique. Mais la grande nouveauté a eu lieu avec Maastricht, qui inclut dans la zone d'intérêt de l'Union des questions qui, en vertu du traité, restent de la compétence des États. Et le fonctionnement du Conseil européen a été beaucoup modifié par Lisbonne, surtout par la création d'un poste de président permanent du Conseil européen. La fonction crée stabilité, la fonction crée continuité. Et je me souviens toujours, tout au début, que la chancelière allemande me disait, mais Hermann, parce qu'on s'appelait par le prénom, qu'est-ce que tu vas faire entre deux réunions du Conseil européen? On va se réunir que 4 fois par an. On dit que tu as une fonction full-time, tu ne l'auras pas. Après 3 mois, on n'a plus posé cette question. Hein. La crise grecque a éclaté. Donc on allait de réunion de crise en réunion de crise. Et là, je crois que le grand avantage de la présidence permanente, c'est la continuité. Le problème des Anglais avec le budget européen, en fait, il y en avait deux. Il y avait un problème côté entrée, qu'est-ce qu'on paie à la caisse commune, et il y avait un problème côté sortie, qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Et les Britanniques avaient un problème des deux côtés. But it's not asking the community for money, it is asking the community to have our own money back. Fontainebleau a été une date tout à fait importante. Parce que, pour la première fois, nous avons accepté collectivement un système d'exception et d'exemption partielle pour un pays. Ce qui était déjà reconnaître que, même à 10, nous ne pourrions probablement pas aller jusqu'au bout complètement unis.
Ça a été très irritant, cette affaire. Et Mme Thatcher avait pris une posture qui n'était pas plaisante pour ses partenaires. Parce qu'elle considérait que c'était son argent. « Give me my money back ». Ça n'avait aucune raison. Elle insistait tellement que nos partenaires allemands, et en particulier Helmut Schmidt, un jour m'a dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Donc il faut trouver une formule, un compromis pour alléger un peu la contribution britannique. Ce régime d'exemption a été accepté parce que le Royaume-Uni n'est pas un pays comme les autres. Parce que c'est le vainqueur de deux guerres mondiales. Parce que sa langue est universelle. Parce qu'il est membre du Conseil de sécurité. Parce que c'est une puissance. Et qu'il y avait des concessions fortes à faire pour garder le Royaume-Uni dans la famille. Mrs. Thatcher won at Fontainebleau. She won too much, in my view. It was not a good decision. It created the basis for years, generations of dissatisfaction on both sides. Les années 80 et 84 avaient été des années très difficiles en Europe. Il y avait eu une crise profonde en Italie. Mitterrand avait été élu sur un programme de nationalisation et de fermeture des frontières. Il y avait un risque de véritable dislocation dans l'Europe. Et après ces années de remise en cause, tous les pays se sont donc retrouvés désireux d'aller plus loin dans cette espèce de transformation politique intervenue en fait en 83. Ich gebrauche im Deutschen ungern ein Wort, das ich im Französischen gern gebrauche, um Stimmungen zu erklären der damaligen Zeit. Damals gab es, wie der Franzose sagt, eine Komplicité. Es gab plötzlich eine kritische Masse innerhalb des Europäischen Rates, die sagten, wir wollen einig sein. Wir wollen das schaffen. Wir wollen zusammenhalten. Das war Kohl, das war Mitterrand. Das war Martens, ein Gonzales, plus Jacques Delors, selbstverständlich. Und der Rest folgte. The European Community accelerated the process into modern society. Before it was a question of getting enough to eat. But now it was a question of quality. Of what you put into your mouth. It was a question of health. We began to be able to afford to have policies of that type. Bon, l'enjeu à l'époque, c'était est-ce qu'on va avoir un marché intérieur en un, en deux, le grand projet de Jacques Delors. Mais pour les chefs d'État et de gouvernement, l'enjeu était de savoir est-ce qu'on va faire une conférence intergouvernementale pour changer le traité, oui ou non. Et pendant le Conseil européen à Milan, en juin 85, le premier ministre italien, qui était le hôte, Craxi, il a fait un coup. Il a, pour la toute première fois dans l'histoire du Conseil européen, appelé les 10 chefs d'État et de gouvernement à voter. Ça, c'était inouï, parce que le Conseil européen, il décidait, il décide toujours par consensus. Le premier ministre grec, Papandréou, le père, qui disait que c'était un viol, le premier ministre danois, Schlüter, il était très fâché aussi. Thatcher, il était hors d'elle aussi de fureur. Mais Craxi, il a insisté et ils ont voté. Et c'était 7-3. Et ils ont décidé au Conseil européen de Milan de convoquer une conférence intergouvernementale sur le marché intérieur. Cette conférence s'est tenue et elle s'est achevée au mois de décembre à Luxembourg par un temps abominable. Il y a eu une difficulté essentiellement pour les Britanniques qui concernait les conséquences d'une réglementation excessive sur les petites et moyennes entreprises. Et Mme Thatcher expliquait, moi j'ai dirigé une petite entreprise de 4 personnes et regardez ce que je suis devenu.
Alors, Andreotti se penche un peu sur sa table, vers Mitterrand, et « Sono morti i tre altri ». Mais alors, il avait oublié d'éteindre son micro. Tout le monde a entendu, sauf Madame Thatcher, qui, je crois, ne parle pas l'italien. Mais ça s'est terminé très bien, et l'acte unique a été bien mis en œuvre. And we drafted the treaty in 4 months. The complete text in 4 months. An enormous success. So that was the reason why the European community had this marvelous period in the 80s when we agreed, which was the basis for the belief that we could make the Maastricht Treaty. Le contexte est connu. Il y avait eu la chute du mur de Berlin, la fin 89. Il y avait eu, d'une certaine manière, surtout l'effondrement du bloc soviétique. Man hatte nur eine unausgesprochene Angst vor einem wiedervereinigten Deutschland. Und es ist letztlich erstaunlich, dass wir nur anderthalb bzw. 2 Jahre nach diesen grundlegenden Ereignissen, ob in Deutschland, aber auch in Polen zum Beispiel, ja, dass der Europäische Rat den Mut gefasst hat zu Maastricht. Poland was already a free country thanks to Solidarity Movement. But we knew well that our dream about the return to a political and cultural European community would be impossible without the fall of the Berlin Wall and consequently without the unification of Germany. This was such an enormous thing. The possibility that we could begin living together in peace and understanding. The community as the success story. And then the French, who thought German reunification means an enormous Germany, much bigger than France. So it was a French demand that the Germans should give up the D-Mark in favor of a European currency. En fait, on voulait intégrer une Allemagne réunifiée dans une Europe plus unifiée. Le lancement de la monnaie commune, c'est un risque qu'on prenait, mais moi je ne doute pas une instance de la valeur historique de cette décision. On commençait maintenant à construire un autre type d'Europe politique, avec la monnaie d'une part, mais aussi avec les prémices d'une politique étrangère et aussi les prémices d'une politique intérieure. Bien sûr, on peut dire que c'était pas encore prêt, que c'était pas réussi, que c'était trop tôt, etc. Mais il y avait un vrai basculement, une métamorphose presque de l'ancienne Europe des règles à une Europe capable de répondre à des crises géopolitique, politique étrangère, politique intérieure, des sujets dont les chefs d'État et de gouvernement considéraient que c'était à eux de les prendre en main. Le nouveau chantier dont le Conseil européen s'est occupé au Conseil de Tampere en 99, c'est justice, liberté et sécurité. Et ça, ça a duré des années pour répondre à cette question. Tampere 1999 ist für mich einer der interessantesten europäischen Räte, weil es der ernste Versuch war, wirklich Innen- und Justiz, Jai, wie man im Jargon sagt, in der Arbeit zu verankern und ein Arbeitsprogramm zu entwickeln. Vergessen Sie nicht, der erste Versuch war bereits 11 Jahre her. 88 Rottos, Euro-FBI, 15 Jahre nach der Schaffung von Schengen und 11 Jahre nach dem Europäischen Rat von Rottos, was die große Zurückhaltung von diesen Bereichen der Staats- und Regierungschefs der Länder
auch was darauf zurückzuführen war. In der Nacht von Tampere ist sogar anscheinend diskutiert worden, ob Frontex 5.000 oder 10.000 Beamte umfassen sollte. Was ist daraus geworden? Wir sehen das heute. On voyait tout de suite, et surtout avec le recul, une asymétrie. C'est qu'on a bien travaillé pour ouvrir cet espace Schengen, d'abolir les frontières intérieures. Mais on n'a pas tiré la conclusion que l'abolition des frontières intérieures signifie aussi meilleure protection des frontières extérieures. Et ça, on n'a pas fait. Et là, on en paye les frais, en termes aussi de souffrance humaine, mais aussi en termes de sécurité, aujourd'hui, avec la crise des réfugiés. Telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Europe ne peut pas fonctionner avec un nombre croissant de participants. Abbiamo quindi l'obbligo politico, ma anche l'obbligo morale perché Nizza sia un successo. Le sommet à Nice est important, je pense avant tout comme échec, puisqu'on a voulu rénover le système institutionnel européen. Mais on n'a pas réussi à préparer l'Europe pour l'élargissement et pour l'avenir. Nous nous sommes aperçus que nous n'avions fait aucune des réformes qu'il aurait fallu faire. Que tous les États auraient voulu garder après l'élargissement la même place qu'avant l'élargissement. On avait l'impression que chaque État était là uniquement pour défendre ses propres intérêts. Ses votes au Conseil, le nombre des parlementaires européens, etc. Et que personne ne pensait vraiment à l'ensemble et au bien commun européen. Moi, j'étais venu ici dans l'idée, on m'avait dit ça, ah, il faut faire un traité de Nice qui rend encore possible de travailler dans l'Union européenne, même avec 25 ou 27 membres. Bien, je peux vous dire que toute la soirée, j'ai vu passer des propositions qui était en fait l'inverse de tout ça. Les chefs d'État et de gouvernement sont allés au maximum de ce qui pouvait être donné dans cette négociation. Ce n'est pas une grande réforme. Maintenant, il faut vivre avec cet accord. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Le sommet de Copenhague a pris une décision fondamentale d'élargir l'Union avec 10 nouveaux pays. Et je sais que par la suite, beaucoup ont critiqué cette décision, qu'elle était mal préparée, que les pays n'étaient pas prêts, etc. Peut-être c'était vrai en partie. Mais il y avait déjà une décennie de préparation entre le moment où les premiers ont frappé à la porte et le moment où ils ont entré. On ne pouvait pas attendre infiniment. I think geopolitically it was a window of opportunity to everybody, for new members and also for Europe. Preparation was a little bit maybe late and delayed and not enough sufficient, but in general I think it is a success. Tout le monde était content de l'adhésion, beaucoup étaient très insatisfaits des conditions de l'élargissement. Certains des participants s'interrogeaient véritablement sur la question de savoir si la mère était capable d'avoir autant d'enfants. The European Union is about safeguarding democracy in Europe. That's also why we decided to open the door to countries that were not ready for membership from the East. Get them in while the possibility is there. C'est eux, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est la Tchécoslovaquie qui ont frappé à la porte de l'Europe. Et c'est à cette frappe à la porte que les 12 pays de la communauté ont dû répondre parce que c'était un vrai appel historique qu'on ne pouvait pas nier. The prospect of joining the EU meant the actual end of the Second World War. At the time, no one even thought about the financial benefits that come with EU accession. The stakes were much higher than that.
It was Central and Eastern Europe's to be or not to be. I may sound a bit sentimental, but I can say that for us in those days, Europe really was a symbol of freedom, you know, high standards, prosperity, modernity and security. And we have never been disappointed. It was a dream, and it is a dream still, because now we are capable to compare our countries, Baltic states, how we look like and how we are developed in 12 years of our membership, and just very close to our border how some East European countries are still looking like. So for us, this is the best achievement in our history. Savions-nous avant 2009 que certains pays de la zone euro étaient dans des situations difficiles, qu'il s'était formé ici et là des bulles spéculatives, que nous étions à la merci du moindre choc? Oui, nous le savions. Bien sûr que nous le savions. Et nous n'avons pas voulu le savoir. Lehman Brothers, la crise des dettes souveraines, ont évidemment eu sur les parties les plus faibles du bastingage le même effet que la banquise sur le Titanic. Le glacier est entré droit dans la partie la plus faible du bastingage. L'existence même de la zone euro était en danger, et quand la zone euro aurait éclaté, l'Union européenne était aussi en grave danger. Donc on connaissait l'enjeu. En gros, il y avait un conflit entre deux groupes de pays. Les pays du Nord disaient, bon, il faut plus de discipline budgétaire et autres pour venir à terme de cette crise. Et les pays du Sud disaient, ben non, il faut plus de solidarité de vous autres envers l'Europe. Je viens pour qu'il y ait des solutions très rapides pour soutenir les pays qui sont les plus en difficulté sur les marchés. We lossen de problemen in Europa op door landen in Zuid-Europa, mits zij zelf verantwoordelijkheid nemen en de zwaarste voorwaarden accepteren, te helpen hun problemen op te lossen. It cannot be lunch free of charge. On dit souvent les chefs d'État et de gouvernement sont inspirés par l'intérêt national. Oui, c'est vrai. Mais il y a un moment où on dit, écoute, il y a nos intérêts nationaux, mais comment peuvent-ils coïncider avec l'intérêt européen? Ce moment-là, on l'a trouvé en juin 2012. En juin 2012, on a réussi à débloquer la situation dans la crise euro. Au niveau solidarité, on a dit que les fonds de sauvetage mis en place pouvaient désormais aussi être utilisés pour les banques en problème. D'autre part, côté responsabilité ou discipline, on a décidé cette nuit que la Banque Centrale Européenne allait faire la supervision de toutes les banques en Europe. Et ça, c'était aussi une vraie percée. Ich glaube, dass wir damit mit dem, was wir geschafft haben, einen wichtigen Schritt zu einem dauerhaft stabilen Euro genommen haben. Le vendredi matin, le président de la Banque Centrale Européenne, il est venu chez moi en me disant, Monsieur le Président, est-ce que vous vous réalisez ce que vous, Conseil européen, avez décidé hier? Pour moi, c'est essentiel. Il était venu tout spécialement pour souligner l'importance du résultat qu'on avait obtenu. Sans ce Conseil européen de juin 2012, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui même. Wenn man heute über die Krise des Euro spricht, muss man zurückdenken zu der Gründung des Euro. Die D-Mark war für die Deutschen ein besonderes Symbol. Sie hat bestanden vor der Verfassung, vor der Staatsgründung, vor der Nationalhymne und vor der Flagge. Die D-Mark war geworden zu dem Symbol des Wiederauferstehens Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher konnten die Deutschen sich in Bezug auf den Euro keinen Fehler erlauben. You cannot expect a German Chancellor to throw overboard what is inbred into German politics, that you need to have order in your economy. So of course they would say Greece has not
met the rules properly, so they have to adjust. And then they saw her as a sort of dictator, not understanding that she is German. She behaved as a German. They are Greeks. They behave as Greeks. Nous avons eu la responsabilité, parce que chaque génération a sa responsabilité, de sauver l'euro. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Et on a fait plus que la gestion de crise. On a aussi établi de nouvelles structures de gouvernance de la zone euro pour que cette crise ne se reproduise plus dans l'avenir. Savions-nous, avant la fin 2015, que nous avions devant nous un énorme problème potentiel de réfugiés? Bien sûr que nous le savions. On ne peut pas avoir 1 million de personnes au Liban, 1,5 million de personnes en Tunisie, 2,5 millions de personnes en Turquie, sans qu'un jour, les bouchons sautent. 700 migrants, peut-être plus. Le pire drame de l'immigration en Méditerranée. The problem is that as long as Europe is simply a better place to live, we will continue to face migration pressure. This is not a crisis. This is a civilizational phenomenon which will accompany us for many, many years. And this is why the primary task is to build a real functioning external border. According to the rule of law, of course, to protect the European Union. Je crois que les gens ont été généreux et solidaires au début de la crise migratoire, mais en voyant qu'il y a encore des millions de gens qui pouvaient venir, il y a eu une peur et on a dû prendre des mesures pour que ces autres millions ne viennent pas. Et après des hésitations, on a trouvé cet accord entre l'Union européenne et la Turquie qui a arrêté, en fait, l'exodus. C'est pas la solution de nos rêves, mais il n'y avait pas d'alternative. Le deal avec la Turquie du printemps 2016 est un moment important parce que on est allé, disons, jusqu'à la frontière de ce qui était juridiquement, peut-être aussi éthiquement possible ou acceptable. Et on peut le critiquer, beaucoup l'ont fait, mais on peut aussi y voir un signe d'une perte d'innocence géopolitique. Jusque-là, l'Europe a toujours voulu être la plus belle, innocente, elle qui ne fait pas de power politics comme les grandes puissances. Mais dans le monde d'aujourd'hui, qui est tellement dangereux, où les choses changent vite et on a affaire avec des dictateurs autour de nous, il faut aussi parfois avoir les mains sales, malheureusement, pour survivre. It has taken far too long for the European leaders to resolve, in fact, an ideological dispute whether Europe should still be the most open place in the world or whether we should change it into a fortress. And this is why it took such a long time to take practical actions, including the so-called Turkish deal, logistical support for the Macedonian border and Bulgaria, and cooperation with some African countries. Fortunately, today we can say that they are starting to work. On a survécu la crise de la zone euro. On a trouvé des solutions pour la crise migratoire. La seule chose qu'on n'a pas su régler, c'est le Brexit. Là, avec tous les efforts même que les 27 ont fait, la Grande-Bretagne a fait un autre choix.
Britain will be leaving the European Union, but we will not be turning our backs on Europe. C'est un choc. C'est un tremblement de terre. Le Brexit est un signal d'alarme très profond parce que on retrouvera les mêmes sursauts nationaux dans 15 États membres de l'Union aujourd'hui. On voit le même malaise, la même méfiance des citoyens, des électeurs européens dans tous nos pays. Et c'est pour ça que je pense que le message du référendum britannique est à prendre très au sérieux par tous nos dirigeants, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'y joue. Et si on veut sauver l'essentiel de l'ouverture que l'Europe a toujours su créer et fournir, il faut aussi prendre au sérieux les angoisses et les craintes qui s'y expriment pour sauver l'essentiel. I recognize the scale of the challenge ahead. I am sure there will be difficult moments. It will require some give and take. The EU doesn't have any divorce experience. We were good at broadening, not at shrinking. I am convinced, however, that we will turn the corner. But the real threat today, and I think it's not only my opinion, is that the disintegration of Europe in the political and ideological sense. It is not a coincidence that those who question liberal democracy are the same ones who call for the breakup of the EU, because the EU today is not only a political organization which restricts national egoisms, it is also a unique territory of freedom. And for this reason, it is so important that the Brexit remains a one-off incident and not the beginning of a process. Comparer le Conseil européen à une centrale électrique. Avec une réunion, les avions qui arrivent, la vitesse, etc., les chefs d'État et les gouvernements, il y a une énergie massive, presque folle à ce moment-là. Mais le risque, c'est que ça s'évapore comme ça. Et là, le président du Conseil européen a un rôle vital pour que l'énergie d'un sommet soit transformée en action à travers toute l'Europe. C'est une aventure. Chaque fois que je commençais la réunion, je regardais autour de moi. Je connaissais bien sûr chacun d'entre eux, mais il y avait toujours ce doute. Comment est-ce qu'on peut trouver, disons, des ententes ou une entente à 28. Around the table, you have 28 real leaders. Each of them is well prepared, intelligent, ambitious, decisive, even bossy. Leading the works of such a team is a real challenge. What is, however, more important is the fact that they are almost always able to find a common thread, ready to risk or sacrifice individual interests for the sake of agreement. This is the essence of political Europe, to argue, to debate, to negotiate, but always in goodwill. The European Union is about compromise. It's never perfect. Shouldn't be unhappy about it not being perfect. It's a human enterprise. If it were perfect, I would be very afraid. The Council depends very much on member states, what kind of governments are, plus what challenges we are confronting inside and outside. Il y a des moments où il y a des conflits, etc., mais il y a aussi des moments où ils sentent intimement le besoin de travailler ensemble et d'être et de faire l'Europe. Et c'est ça le Conseil européen quand il fonctionne au mieux. J'appelle ça le secret de la table. It's when they
forget for a moment this basic condition that we are France, we are Germany, that things happen. For a moment, like when unification happened. I think it's fantastic. It's a fairy tale in a way. Un moment émouvant a été la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement étaient là. J'ai parlé de notre histoire, histoire de guerre de l'Europe. J'ai parlé de mon père qui a failli être exécuté en mai 1940. J'ai parlé en fait du vécu de notre histoire, pas uniquement de l'histoire institutionnelle de l'Union européenne. Je crois que tout le monde est sorti de la réunion avec ce grand souffle en soi, disons, on participe à une grande œuvre.